Les membres du Lions Club Kinshasa-Limpopo du district 409, regroupant la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi, ont sous la direction de leur président Félicien Malanda, assisté du directeur de la commission des œuvres, rendu le 29 mai dernier une visite à l'orphelinat Le Bon Berger de Benseke, dans la périphérie de Kinshasa, ainsi qu'aux voisins démunis habitant le même quartier. Objectif, procéder à la remise des panneaux solaires, fruit de leur partenariat avec les Lions Club d'Italie et des Pays-Bas. Cette visite entrait dans le cadre de leurs œuvres. Après une brève présentation des mécanismes fonctionnels de ces lampes, rechargeables à partir de l'énergie solaire, une denrée propre et inépuisable pour l'Afrique et qui, outre l'éclairage qu'elle procure, charge aussi les téléphones portables. Le responsable du quartier a été le premier à recevoir ce don, avant la distribution auprès des habitants du dit quartier. À chaque étape de la remise aux utilisateurs à qui le mode opérationnel a été expliqué, l'allumage de la lampe dans un contexte général d'obscurité était une lueur d'espoir, une occasion de briser les chaînes de la cécité dans ce milieu où le recours au bois constitue l'unique source d'énergie. Leur réjouissance était à la mesure du remerciement, rivalant avec des demandes plus nourries. Ces lampes ont été accueillies avec joie, aussi bien à l'orphelinat que chez les voisins, témoignent d'un réel besoin encore à satisfaire pour une population à peine servie à 15% en énergie électrique. Le projet reste le bienvenu et mérite d'être étendu, un souhait de la population kinoise. Orphelina, la masse au Bosali, Yelibiso, Mwinda, Oyekoko, le cannabiso. Donc, Nangaï d'abord, va nous donner le bosso, remerciement, puisque Monique va partir de vendre.